aujourd'hui, reprise après pas mal de blessures, après quasi un mois, voire ouais, un bon mois d'arrêt. Et donc je vais vous montrer un peu comment je repars dans les games et comment j'arrive à me faire une routine street workout ici à Calembert-France. Allez, c'est parti. Oh oui, alors petite caractéristique que j'ai oublié de dire. T'as une fourchette jusque là, ça va, tu vois. Sauf que l'autre, t'as une putain de cuillère. Donc quand tu veux couper ta viande, voilà la galère. Ok, donc là je vais essayer de faire des petites courses pour le matin. Des courses à Hansi à Mani, donc aux Philippines. Mais bref, en tout cas tu vois, c'est que des trucs pleins de sucre, ou alors tu te rabats sur des Quaker, bah, c'est des flocons d'avoine tout bête dégueulasse. Et tu vois, quand je te disais qu'il y avait du sucre partout dans ce qu'ils bouffent, c'est tellement vrai que quand tu vas au resto, tu vois, souvent au lieu de te filer de l'eau avec, ils vont te filer un espèce d'ice tea dégueulasse bourré de sucre, tu vois, complètement bourré de sucre. Et du coup, bah, tu m'étonnes qu'il soit gros. Après, quand je te dis ça, bien sûr, c'est pour les gens de la classe moyenne chez eux, tu vois. Autre petite anecdote sur la bouffe qui fait que c'est un peu galère, tu vois, de manger les fruits et légumes, c'est que là-bas, en fait, en fonction de comment ils lavent tes fruits et tes légumes, tu vois, s'ils les lavent avec l'eau du Gange, comme je l'appelle ça, en gros, c'est leur eau, elle n'est pas potable, elle est pleine de maladies, fait que toi, t'es direct, t'es malade, t'as la chasse, la tourista. Alors, pour le matin, j'ai décidé de me rabattre sur un truc que je faisais déjà en France, c'était genre un fruit, une banane, avec genre du pain et du peanut butter. Vegetable oils. J'ai l'impression qu'il y a de l'huile de palme, bizarrement. De toute façon, j'ai pas le choix, donc je vais bien tester celui-là. Alors là, on arrive aux bananes du chétan, quoi. Regarde-moi ce qu'ils te vendent. Là, toi, t'as intérêt à faire un peu le tri, parce que je sens que c'est nature, hein, mais putain, les trucs, elles sont défoncées, quoi. Allez, c'est parti pour le premier training au PVP. Reprise, première séance, dos, bras, front lever, c'est parti. Très dur, j'ai galéré, même pour faire des muscles ou des barres. Et front lever, j'ai bien perdu quand même. Mais voilà, du coup, ça fait un petit checkpoint avant de retaper dans le dur au niveau des entraînements. Et voilà, frérot, donc c'est la fin de mon premier vlog aux Philippines. J'espère que tu auras kiffé. Dis-moi si t'aimes bien le style, le contenu, etc. Et puis on se dit à la prochaine, très bientôt, pour un deuxième vlog aux Philippines. Allez, peace.